Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver dans le Studio 7, le salon Sigma, au salon de la photo, à la grande halle de la Villette. Et on est là jusqu'à demain soir. On est en direct live. Il y a trois caméras FP qui nous filment en direct et vous pourrez revoir ça sur les réseaux, sur la chaîne YouTube Sigma. On est ici donc sur le créneau pour parler de la photo de rue avec Thomas Kless. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup. Ah, donc, bah, voilà Thomas qu'on qu connaît depuis quelques années, et on va prendre une heure pour discuter avec lui et, et faire connaissance. Je fais un peu de modeling, je fais un peu de modeling aussi, mais c'est euh... non, c'est une blague, en il fait. enfin, faut pas aller voir ces parties-là de mon compte Instagram. Mais euh... donc, euh... donc ouais, je fais pas mal de street photos, donc j'utilise du matos Sigma depuis pas mal d'années. Et euh, sinon, je suis photographe de haute joaillerie principalement. Ça, c'est mon métier. Euh, je travaille avec des marques, magazines, euh, donc euh, avec une set designer qui s'appelle Karina Rikun. Et euh, donc, c'est du travail de studio euh, euh, très maîtrisé. Mais on vous montrera un peu tout à l'heure. Et sinon, bah voilà à côté, je fais de la street euh, dès que j'ai du temps, en gros. Hein, voilà donc ben, en parlant de street on peut quand même dérouler quelques grands noms de la photo de rue euh, et surtout pour dire dans la photo avec pour faire de la photo de, de rue euh, on n'est pas obligé d'avoir euh, que un 35 mais on peut dérouler et on va revoir euh, que certains grands noms de la photographie euh, ont utilisé euh, pas mal d'optiques différentes en partant de Moriyama, ben, de Moriyama qui lui utilisait du 28 mm hein, on est euh, en photo argentique pour ceux qui connaissent un petit peu euh, ce grand photographe euh, japonais. Et puis on a euh, Gary Winogrand aussi qui lui utilisait le 28 mm. On passe à William Eggleston qui lui faisait et du 28 et du 35. photos hein, photo de rue américaine et hein, on rêve à chaque fois devant ces photos. Et puis on, on rêve devant les, les belles américaines. Je parle des voitures. Stephen Shore, lui il travaille au 35. Un grand, grand photographe, euh, très fan. Euh, Louis Forer, lui, il est au, au 50 mm. Vous voyez, on, on recadre de plus en plus. Bérénice Abbott, au 50 mm aussi. Hein, donc, euh, quand, quand on parle aussi de 50 mm, euh, de, de tous ces photographes, ils n'étaient pas forcément euh, tous en 24-36, mais on a fait des conversions, on s'est calculé, et, et voilà. Viviane Meyer, bah, très connue hein, depuis, depuis que elle est revenue euh, sur le devant de la scène, depuis que toutes ses photos sont sorties d'une du, boîte, voilà, donc 50 mm. Henri Cartier-Bresson, au 50 mm aussi. Harry Guyert, pareil. Late, Sol Later, lui, voilà, 90-135, donc un parti pris pour pouvoir faire de la photo de rue un petit peu plus éloignée avec des cadrages plus serrés. Mais voilà, toujours, toujours efficace. Euh, L'idée de ça, en fait, c'était de montrer que moi, j'utilise principalement 24 mm et 28 mm, mais qu'en fait, on peut faire de la street, peu importe l'optique qu'on utilise, ça va être votre approche, et il n'y a pas de règle en street, en fait. Donc, euh, si vous souhaitez faire de la street au téléobjectif ou autre, enfin, tout va, quoi. Hein, voilà donc bah, Thomas euh, voilà tu peux tu peux un petit peu parler d'Alma Carina justement de ton travail et là on voit quelques, quelques belles images euh, en haute joaillerie euh, de que tu réalises euh, pour, pour ton travail quotidien donc euh, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc j'ai une agence qui s'appelle Alma Carina c'est un studio où on est spécialisé en haute joaillerie euh, principalement on travaille avec des marques et magazines euh, franchement partout dans le monde et euh, <coughs> Donc euh, là, c'est un travail qui est complètement en opposition avec la Street Photo, vu que tout est maîtrisé, il y a une DA qui est prévue en avance, il y a... les retouches sont... prennent beaucoup de temps et tout, donc c'est complètement opposé à la Street. Et euh, c'est comme ça que j'ai connu Sigma à l'époque, euh, avec leur capteur Fauvéon. Enfin, J'avais bossé beaucoup au moyen format et euh, je cherchais un appareil plus économique en termes de prix, parce que le moyen format, c'est quand même extrêmement cher. Et euh, je suis tombé sur des reviews du capteur foveon à l'époque qui disaient, euh, en gros, vous avez la meilleure qualité d'image possible à 100 ISO, mais au-dessus c'est compliqué, c'est des appareils assez lents, etc., etc., Mais vu que je bosse sur pied, euh, je me suis dit bah je vais tester, donner un go. Et, euh, et effectivement, enfin voilà, je bosse toujours avec euh, aujourd'hui en studio, je bosse avec le FPL, mais aussi je garde le foveon parce qu'il y a un une colo particulière et, euh, et un côté crisp dans les images, une netteté en fait que je retrouve pas ailleurs sur aucun autre capteur. Donc, euh, on s'est connu comme ça avec, euh, avec Sigma. On a fait une expo ensemble ici à, en 2017, je crois, avec mm. mes natures mortes. Et, euh, et petit à petit, voilà, on est resté ensemble. Et aujourd'hui, il m'accompagne toujours dans la street et le reste. Ah, voilà, donc encore quelques, quelques belles images réalisées avec. Euh nos, nos boîtiers ouais, pour le coup pour le coup tout ce qu'on entend pas ouais pour le coup tout ce qu'on voit est réalisé au au sigma ou fauveon et euh, donc la plupart des photos là c'est au sd 4 h et euh, avec le cinquante mm un quatre art Hein, donc bah, voilà thomas euh, en quelques mots on, a, on lui a mis un boîtier un petit fp euh, en main on lui a mis un petit challenge parce que il, il aime euh, faire de la photo de rue euh, plus pour pour ses loisirs euh, puis son travail personnel que, que son travail professionnel euh, et voilà donc on l'a on l'a invité à, à travailler un petit peu sur euh, sur le thème des états unis on va le dérouler tout à l'heure euh. Voilà, si tu veux commenter tes, tes images. Oui, euh, en gros, bah, je, euh, avant l'appareil, je sortais très peu l'appareil euh, que j'utilise pour le studio, je ne le sortais pas en street, euh, le, le Foveon, et en fait depuis le SD 4 euh, depuis le FPL. Euh, je l'utilise aussi en street, parce que je faisais avant, je séparais vraiment mon travail pro, c'était du numérique. Mon travail euh, perso, c'était de l'argentique. Et là aujourd'hui, je mixe un peu les deux les deux formats grâce au grâce au Fp parce qu'il est compact et et ça me ça me convient bien. Donc euh, j'ai acheté le FP juste avant de partir aux États-Unis euh, il y a l'année dernière et euh, tu peux passer si tu veux. Parce que là c'était une partie voilà, photo de rue euh, à Paris pour vous introduire un peu l'idée et du coup euh, Introduire. Ah, voilà ah, donc Arles 2023 donc nous Sigma euh, depuis c'était notre troisième année euh, au festival euh, des Rencontres photographiques d'Arles pour nous Sigma et on s'est mis euh, un, un, un nouveau challenge dans notre travail euh, de, avec Sigma de, de pouvoir inviter des artistes, euh, des photographes pour présenter le, leur travail euh, et les accompagner euh, sur un, un si beau festival et euh, voilà donc là le, le thème c'est ce que je disais tout à l'heure euh, les photos de, de rue euh, sur le thème des États-Unis voilà le, le lieu euh, où on était euh, rue du Pont euh, en Arles donc je sais pas si ou à Arles ça dépend comment Comment on se place, Et voilà pour ceux qui j'espère qu'il y en a qui ont pu aller à Arles voir voir le festival d'année en année qui est, qui est toujours superbe avec de belles rencontres. Ouais, donc euh, dans l'idée en fait je je, pars aux, je repars aux États-Unis depuis, enfin ça fait plusieurs années que je repars aux États-Unis. J'y allais quand j'étais petit et euh, avant j'avais du mal à faire la distinction entre le pour la photo en fait il y a un moment quand je me suis lancé pour le le studio Alma Carina où la photo c'est devenu vraiment un job et du coup je shootais plus du tout de perso à part en voyage et notamment aux États-Unis donc ça c'est l'expo qu'on a faite à Arles c'est vraiment sur une petite partie d'un gros projet qui prend qui continue et qui que j'ai commencé il y a 6 7 ans et euh, et donc euh, sur euh, donc on est parti euh, à New York et euh, l'autre partie c'était au Texas et donc, l'idée, ça a été, quand je suis revenu, j'ai envoyé des images à Sigma, Renault notamment, qui m'a beaucoup aidé dans le... à faire une sélection, en fait, parce que c'est ça le plus dur. Et, euh... et donc, on a commencé à parler ensemble suite à ça, suite aux images, de, de potentiellement faire Arles et petit à petit, euh, voilà, le projet a mûri. Et euh, je suis retourné aux États-Unis juste avant Arles pour refaire quelques photos à New York. Et, euh, et on a pu monter une euh, l'expo avec une euh, sélection de d'une quinzaine d'images ce qui est très dur en fait c'était ça c'était l'editing parce que moi j'étais trop dedans et il euh, y avait des images que je trouvais très fortes visuellement mais qui servaient pas forcément à la narration c'est là où le fait d'avoir eu le regard extérieur de sigma qui au-delà de au-delà du boîtier me connaît et connaît mon travail et m'a énormément aidé là-dessus donc euh, donc c'était un peu fou de de, de faire Arles et euh, notamment bah, enfin de présenter mes images en papier parce qu'on a beau les voir sur Instagram, sur un écran, etc. C'est cool, mais ça n'a rien à voir avec le fait de bosser un tirage-papier et, et de les voir en vrai, toutes dans un ordre particulier, etc. Et donc ça a donné beaucoup de... ça a amené pas mal de questions, ce qui est vraiment cool parce que j'aime euh, New York à cause de sa densité. et tout ce qui se passe à New York, enfin suffit de sortir et en fait vous avez même pas besoin de bouger pour la street il va se passer plein de choses devant vous et à vous de les capter mais de l'autre côté euh, j'adore les coins euh, hyper reculés type Texas Nevada enfin euh, côte ouest particulièrement aller dans les petits motels et tout et là par contre il faut aller chercher il faut aller au contact des gens leur parler se faire accepter et c'est une autre démarche enfin qui n'est pas forcément en opposition avec la street, mais là faut vraiment y passer plus de temps et euh, et, et se faire connaître parce que les États-Unis, enfin, c'est un pays que j'adore mais qui est très compliqué. Je me suis déjà fait braquer pour avoir pris des photos, ce genre de trucs, et c'était pas euh, c'était pas forcément pour du vol, enfin pour me voler ou autre. C'était plus que j'étais au mauvais endroit et les gens voulaient pas que je prenne de photos à cet endroit-là, donc, euh, donc voilà, on a fait une petite sélection. Ça, c'est juste la un breakfast room d'un motel euh, dans une petite ville qui s'appelle Galveston, au Texas. C'est euh, bord de mer et il euh, n'y a pas grand-chose. En fait, il y a 3-4 restos, 2 motels et une pierre, par contre, avec des banèges euh, et tout, donc c'est assez marrant. Et euh, donc c'est ça que j'aime bien avec les États-Unis, c'est même pays, mais en fait on peut voir à la fois des déserts, des montagnes, enfin les plus beaux paysages je les ai vus là-bas, et, euh, et à la fois voilà se retrouver dans des coins qui sont que je trouve beaux, mais euh, beaux dans leur jus quoi en fait. Parce que quand j'ai montré ça, j'ai un, un ami qui vit à Austin au Texas, et en fait pour lui Galveston il n'y a rien, il y va jamais c'est vraiment la ville où il ne faut pas aller. Il m'a dit que, enfin, les photos, il était étonné de, que ça ait été pris là-bas. En fait. euh, voilà. Et du coup, ouais, c'était pendant euh, Halloween, mais c'était aussi la période des midterms. Et du coup, c'était super intéressant de voir, euh, je ne sais pas si on l'avait, le, le diapo, je crois que c'était le premier, ouais, avec les Trump. Tu l'as ou pas voilà. Voilà, Et du coup, elle, bah, voilà. par exemple, c'était marrant de voir qu'au Texas, il euh, y avait beaucoup de, de personnes qui militaient pour, le, pour, les, pour aller voter, mais c'était vraiment le côté Trump. Il n'y avait pas euh, les démocrates, en fait, on ne voyait personne, alors que les, les républicains étaient partout. Et, euh, et c'était assez drôle de voir que, en fait, j'ai réalisé qu'on était pendant les midterms, côté Texas, alors que j'étais à New York juste avant. Et New York, en fait, il n'y avait rien, aucun appel au vote, rien du tout. Et, euh, et du coup, c'est assez drôle de voir ce, ce contraste. Et euh, donc, eux, par contre, je suis allé, ce que je ne fais pas d'habitude, forcément, eux, j'ai discuté avec eux pendant, euh, je ne sais pas, 3, 4, 5 minutes avant de, avant de prendre la photo, parce que, euh, voilà, pour éviter trop de. Trop de soucis parce qu'au début ils se demandaient si j'étais un journaliste ou autre et en fait ils ont, enfin pour le coup ce camp-là une haine contre les journalistes donc l'appareil photo engendre pas mal de questions et ce qui m'a aidé là-dessus c'est d'avoir un petit appareil et de, de venir et lui dire non je, je prends juste des photos comme ça il euh, n'y a pas de soucis et puis c'est marrant et euh, donc ils m'ont accepté très vite alors que si, je pense que si j'avais eu un très gros appareil ou un truc qui fasse pro euh, dans leur vision, en tout cas ils n'auraient pas accepté que je prenne de photos ou de trucs comme ça. Et voilà, donc on en est là, Thomas, sur tes, tes inspirations. Et quand on a quand on a préparé effectivement ce, 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 cette présentation, ben voilà, tu as, as, as sorti ces, ces quatre grands noms qui te tiennent à cœur. Euh, dans des, qui qui t'inspire vraiment Ouais, donc dans l'idée là, je voulais à la fois associer des photographes euh, qu'on connaît depuis un bon moment, Martin Parr ou Gary Winogrand, mais euh, j'ai voulu aussi mettre Joe Greer et Daniel Arnold parce qu'ils sont contemporains et l'approche est différente dans le sens où eux, ils se sont fait connaître via les réseaux sociaux et aujourd'hui, ils sont reconnus, mais ils ont commencé sur Instagram. Ce n'est pas le travail d'une vie qui après fait des livres, des expos, etc. Eux, c'est encore en cours et c'était pour dire que la source d'inspiration peut venir de partout, en fait, bouquins, musées, mais aussi bah, les réseaux sociaux, des gens connus, moins connus et euh, YouTube aussi, je voulais en parler parce qu'il y a une chaîne YouTube américaine d'un gars qui s'appelle Polybi qui euh, je, enfin si vous êtes un peu à fond dans la street il y a moyen que vous connaissiez et il suit en fait des sessions photos sur des photographes de euh, de New York il les accompagne pendant un après-midi ou une journée et euh, du coup c'est sous forme d'interview mais euh, il les suit on voit les photos être prises quasiment en direct et s'afficher euh, dans la seconde donc c'est assez intéressant mais voilà enfin, en gros on peut trouver l'inspire partout et alors la question, c'est euh, depuis quand tu pratiques justement euh, la, la street photographie Alors, c'est ce que je disais un petit peu euh, plus tôt c'est qu'il euh, y a un moment où euh, la photo, c'est devenu un travail pour moi. Donc, quotidiennement, je ne la pratiquais plus du tout. Et euh, jusqu'à ce que le Covid arrive, les confinements arrivent, et euh, donc euh, plus personne dans les rues. Ça, j'ai pas voulu. Enfin, en fait, j'ai commencé à me dire, ok, c'est génial, Paris, il n'y a personne, je vais faire des photos. Et en fait, ça m'a, euh, enfin, c'était un peu, c'était déprimant. Et par contre, dès qu'il y a eu le, le déconfinement, je me suis dit, bah là, il faut shooter ce truc. En fait, pour moi, c'était plus intéressant que la partie confinement, personne, n'est eu rues vide, euh, de voir justement les interactions qui reprenaient. Et donc. Vraiment dès, le, dès les premiers jours, j'ai commencé à sortir toute la journée, marcher avec l'appareil photo avec moi et me focaliser un peu sur les couples parce que c'était les seuls où je trouvais qu'il y avait des interactions alors que les gens continuaient à garder leur distance, même si on voyait des gens se balader dans la rue, etc. Si ce n'était pas un couple, ils avaient, ils avaient une petite distance comme je garde actuellement avec Damien. Mais euh, mais voilà donc c'était c'est euh, comme ça que j'ai recommencé en fait à avoir une pratique quotidienne de la street et euh, et je me suis rendu compte que plus je shootais plus j'étais euh, euh, dans le dans, dans le truc de presque pas prévoir les situations mais les anticiper un petit peu quand même et euh, et à, et à pratiquer ça, ce que je continue à faire encore aujourd'hui, c'est-à-dire même entre deux rendez-vous, si j'ai 20 minutes, je vais avoir l'appareil autour du cou et quand même de, de, du point A au point B où je vais aller, je vais être en mode street. Et euh, donc parfois, ça peut être des sessions très courtes, mais aussi des sessions de 1 heure, deux heures, quatre heures, peu importe le temps, euh, le temps que je vais avoir, mais en tout cas, je vais le mettre dans la street euh, où je sois en fait. Ça, c'est une photo prise à Rome, par exemple, mais euh, c'est devenu presque un problème aussi parce que en gros quand je euh, j'ai envie de partir en week-end ou autre, je vais me poser la question de euh, est-ce qu'il va y avoir assez de monde ou est-ce que je vais pouvoir faire de la street à cet endroit-là et euh, je prends presque plus le temps de ce que je faisais avant, c'est-à-dire partir juste en week-end et puis euh, enfin, sans attente particulière et je sais que euh, euh, maintenant, c'est presque devenu une, pas une maladie, mais un besoin vraiment de shooter, de shooter de la street, quoi. Les jours où je suis en studio toute la journée, si j'ai pas pu faire de la street, je me sens, c'est comme si j'avais pas accompagné, enfin, pas réussi ma journée, en gros. Mais peu importe le résultat, je parle pas des, des photos qu'on sort, je parle du principe de sortir avec un appareil photo et d'être en lien, en fait, à ce qui se passe autour. donc euh... ah, et alors du coup euh, ben pour faire de la street il faut il faut connaître des lieux il faut vivre dans un quartier ou découvrir des quartiers tu as parlé de new york tu as parlé de paris tu as parlé de rome du coup euh, en es où là dedans et est ce que tu découvres encore ou est- ce que tu as envie d'explorer de, d'autres euh, d'autres lieux que qui t'amèneraient à faire d'autres photos bah, du coup, euh, ouais. Alors en général, j'ai des zones, mais qui durent un certain temps. Là, par exemple, ça fait plus d'un an que je reste sur la zone Galerie Lafayette, Opéra, euh, Palais Royal et rue de Rivoli. Donc, euh, ce qui me permet d'avoir une zone assez large, mais en même temps, euh, qui, ça prend pas trop de temps d'aller d'un point à un autre. Et ce que je cherche surtout, en fait, c'est la densité de gens. Parce que plus y a de gens, plus avec la street que je fais, plus il va se... y, a, y a de chances qu'il se passe quelque chose intéressant ou non, mais en tout cas, ça augmente les chances. Et euh, ça, c'est à Rome, par exemple. Et le, euh, le premier jour, arrivé à Rome, donc je ne euh, connaissais pas Rome, et euh, j'ai marché, je pense, euh, une vingtaine de kilomètres le premier jour, à essayer de à peu près tout voir, mais du coup, j'ai quasiment rien shooté ce, ce jour-là. Mais je me suis rendu compte que je revenais toujours au même endroit, c'est Via Corso, c'est une énorme rue qui traverse Rome, où il y a tous les grands magasins. Euh, toutes les enseignes que vous voulez. Et du coup, il y avait euh, beaucoup de gens, beaucoup d'espèces de, de petits carrefours. Donc, ça veut dire que les gens traversent, etc. Une lumière qui peut être intéressante suivant le moment de la journée. Et euh, j'ai essayé de tester aussi des sites touristiques, etc. Mais c'est juste des gens qui prennent en photo le, le lieu. Donc, ce n'était pas super marrant. Mais euh, voilà, New York, pareil. En gros, j'ai ma. À cette session-là, l'année dernière, quand je suis parti, en gros, les quasiment les deux premiers jours, je les ai fait juste à marcher pour voir quel endroit me paraissait le plus intéressant pour moi. Et en général, je vais avoir une affinité, essayer de me poser dans un café, l'endroit que je trouve pas forcément joli, mais pour voir un peu comment les gens euh, interagissent entre eux et. Euh, donc voilà, petit café, et puis après j'observe, et quand je le sens, bah je me lève. Je, je, je en fais... tout cas, impressionnante cette photo, hein, entre le chat et la, et, la, et la propriétaire du chat. On se demande qui a le regard le plus féroce. Ça, c'est Place de l'Opéra. Euh, voilà, où je vais beaucoup, beaucoup. Après, y a un, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, mais c'est que à force d'être toujours dans les mêmes endroits, euh, y a, on a l'impression d'avoir le même cadre. Donc, ça peut être parfois difficile d'y de, bah de, 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 revenir, en fait, en gros. Mais euh, j'essaye de temps en temps, euh, je sais pas, toutes les deux, trois semaines, d'aller dans un autre endroit. Là, j'ai essayé d'aller un peu dans le marais et tout. Mais en fait, je n'ai pas shooté parce que rien ne m'a inspiré, alors qu'il y a autant de monde qu'ailleurs. Mais, 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 du, a mais du coup, tu, tu vas dans un lieu, oui. c'est le lieu qui va t'inspirer ou c'est les gens d'abord et le lieu peu importe euh, C'est les gens, ouais, je pense. C'est les gens suivant euh, comment ils se comportent et le, le nombre de passages. Euh. Par exemple, vraiment, les galeries Lafayette, pour le coup, me rappellent New York euh, avec les, tous ces gens qui traversent ce flux incessant de personnes quasiment quelle que soit l'heure. Mais euh, même si je privilégie euh, l'heure du déjeuner, et les sorties de bureau parce que le matin enfin quand j'essaye de shooter la lumière est très belle et tout mais j'essaye d'avoir des comment ça s'appelle des, des photos plus remplies en fait avec plus de gens et du coup pour les silhouettes pour tout ce qui est trucs comme ça c'est cool mais euh... mais je voilà je privilégie vraiment le midi et la, la fin de journée même si bah, là par exemple il y avait beaucoup de gens c'est à Rome encore une fois comme euh, la dame avec le chat là littéralement euh, c'est pas du tout pris au même moment mais je suis au même point Juste, je me suis retourné. Donc, on a vraiment deux points de vue au même endroit. Vraiment, je pense que j'ai dû me déplacer d'un mètre entre ces deux, ces deux moments. Quoi. Et, et du coup, alors quand tu arrives sur ton, sur ton lieu, tu appréhendes comment les, les gens, comment tu vas justement euh, euh, pouvoir te, te glisser, te montrer ou pas te montrer pour pouvoir réaliser ces, ces images euh, bah, d'où le d'où le fait que j'aime bien prendre un café euh, pour prendre c'est presque une prise de température en fait du lieu euh, je suis très terrasse café le truc mais je shoote pas depuis la terrasse c'est vraiment pour euh, je sais pas voir euh, comment les gens se comportent s'il y a plus ou moins de monde et à un moment je me donne un go et euh, l'attitude vis-à-vis des gens en tout cas la mienne c'est de ne pas me cacher jamais l'appareil il est euh, à la hauteur de mon visage quasiment tout le temps, même si je mets pas l'œil dans le viseur. Euh, je prends très peu de photos prises du bas parce que déjà j'ai du mal à, à cadrer en fait mon truc. Celle-ci elle est prise d'un peu plus bas, mais euh, en général 9 fois sur 10 en vrai quand je teste comme ça, je leur coupe la tête ici là, donc ça fonctionne pas. Mais euh, elle pour le coup, bah voilà, je suis arrivé un peu vite dans Son espace, parce que finalement on finit par envahir leur espace, et là elle a dégagé son téléphone sur le côté, et littéralement elle m'a insulté. Donc, ouais. Ouais, parce, que, parce que, là, que là, si tu travailles au, au 24 mm, tu es à peu près à, à cette distance là, euh, non un peu plus, quand même, je suis là, ouais, mais là c'était ouais. au 28, tu vois. ouais, voilà. d'accord, peut-être même 35, mais euh, voilà. Donc, en gros, ce que je voulais dire, tu peux revenir sur la dame, ça je les gens, peux. ils ont bien le. Euh, en gros, là l'idée, quand il y a ça, il y a deux façons de faire. C'est soit, euh, moi j'ai toujours mes AirPods dans les, dans les oreilles, mais euh, pas souvent le son. Donc en fait, ce qui me permet de faire, soit genre j'ai pas entendu, mais en fait j'entends quand même ce que me disent les gens. Mais je pars du principe que vu qu'on est euh, les gens peuvent se sentir agressés, ils ont le droit. Donc du coup, c'est à vous d'aller leur parler, de communiquer une énergie qui est bonne, d'où le fait de pas se cacher, un petit sourire, un truc, ça passe très bien. Et euh, bah, soit ils écoutent, soit ils écoutent pas. Elle n'a pas écouté, donc voilà, j'ai été gentil, je lui ai dit merci et je me suis barré. Mais il euh, y a d'autres, d'autres fois, notamment à New York, où euh, on a vu euh, tout à l'heure, il y avait un. Un, un monsieur avec son fils en face d'un stand de bagels et donc en fait j'allais vraiment prendre le métro c'était la fin de journée, j'étais rincé j'avais marché 25 km dans la journée et j'étais pas content de, de, des photos que j'avais fait mais là je les ai vus eux se positionner littéralement devant moi il y avait la sortie euh, l'entrée du métro qui était à 50 mètres donc vraiment j'allais ranger l'appareil et euh, mais je l'avais toujours autour du cou et là je les ai vus eux, je les ai trouvés beaux du coup, j'ai fait la photo, mais j'ai croisé le regard du gars, j'ai continué mon chemin vers eux, mais le père s'est senti, enfin, n'a pas compris en fait pourquoi il a dû penser que je prenais juste son fils en photo ou autre. Donc, d'où une attitude à adopter avec les, les enfants et les femmes qui est, qui est particulière. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé vers lui, je lui ai dit, les gars, vous êtes super beaux, on dirait un tableau et je lui ai montré la numérique, donc du coup j'ai pu lui montrer la photo, et en fait il est passé de pas être content, à deux doigts de m'insulter ou autre, à me remercier en fait, d'avoir fait la photo et tout, et puis bonne soirée, et ça s'est super bien passé. Donc il ne faut pas hésiter à vaincre un peu sa timidité et aller au contact des gens. Si vous sentez qu'un truc ne va pas, il bah, ne faut pas hésiter à leur expliquer, ou il ne faut pas hésiter aussi à se retenir. De prendre la photo s'il y a un truc qui peut être touchy bah, vaut mieux pas la prendre et puis c'est tout on, on, on passe à autre chose et il y aura une autre photo qui va qui, qui se présentera devant vous quoi. Euh, ce que je voulais dire aussi c'est il euh, ya donc il n'y a pas de règle pour la street mais pour euh, ce qui est des femmes elles se font suffisamment je trouve harcelées emmerder que ce soit dans le métro ou autre, il y a des gens qui prennent en secret des photos euh, euh, un peu cachées avec leur téléphone, machin, on a tous une copine, un, une pote, un truc qui, ou, qui qui a eu le problème. Donc en street, il faut adopter la, la démarche totalement opposée, assumée, et, euh, et pas hésiter à discuter, faut pas euh, euh, suivre par exemple euh, une nana pendant 10 minutes parce qu'on attend un décor ou un truc ou autre. Il ne faut pas le faire. Il faut, soit vous êtes au bon endroit, il se passe ce qui se passe, et c'est très bien, vous, vous snappez, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez suivre euh, la personne, euh, elle, elle ne va pas capter que vous êtes là juste pour faire de la street et pour faire une belle photo. En fait, elle va se dire c'est quoi ce gars qui me suit depuis 10 minutes Ça ne fonctionne pas. Donc, euh, donc voilà, l'attitude en fait, que vous allez adopter, on va souvent vous la rendre. Donc ne faut pas hésiter à, à y aller et, euh, et ça va bien se passer. Alors, des fois, pourquoi tu shootes couleur et des fois noir et blanc euh, On va en reparler un peu tout à l'heure. Euh, al... Alors, wait and see. Non, mais <laughs> je peux faire une petite, une petite intro où ouais, j'alterne. J'ai eu tendance à beaucoup shooter en couleur et, euh, et maintenant j'alterne un peu entre les deux, mais on y reviendra vite à... après. Celle-ci, c'est à New York. Euh, donc voilà, le petit eye contact, j'avais bien aimé. C'est de l'argentique, c'est pour ça qu'il y a pas mal de grains. Ah, voilà, donc on va parler un petit peu plus matériel. Euh, bah, tu peux montrer ton, ton petit setup. Moi, je vais le faire du coup. Voilà, ah, donc le petit boîtier 24-36. Oui. Euh, il a rajouté un petit œilleton à, à 24 mm pour pouvoir faire son, son petit viseur. Et puis euh, là-dessus, là bah, il a mis le, le 24 qui ouvre à 3,5. Il y a toute une série comme ça où on a 9 optiques maintenant. Vous pourrez aller les, les, les tester tout à l'heure ou au moins les voir euh, sur des produits comme ça très compacts, très légers et ultra quali. Voilà donc l'idée du FP là c'est que un, ça fait la taille, je pense, un peu plus grande qu'un paquet de cigarettes, juste le, le boîtier. Et c'est un capteur plein format 60 millions de pixels. Donc en fait j'ai un truc tout petit mais plein format. Et euh, l'idée de Sigma, de ce boîtier, moi je l'avais testé il y a un moment quand il était sorti, mais j'avais demandé une mauvaise config, j'avais demandé avec une grosse cage, un zoom 24-70, et je me suis dit, voilà, oh ce boîtier, il n'est pas pour moi. Et en fait, quand je suis venu au salon de l'année dernière, dernière, ils me l'ont mis en, dans cette config, donc avec une toute petite poignée qui se greffe sur le côté. Et euh, j'ai shooté beaucoup comme ça. Et euh, le truc, c'est que Sigma a rendu possible... <coughs> Euh, a rendu les plans disponibles plutôt du, du boîtier. Et donc, je me suis fait imprimer une pièce en 3D pour pouvoir mettre le viseur optique, parce que là, vous voyez qu'il n'y a pas de code chou. Code chou. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, bah voilà ça me permet de mettre un viseur optique, même si honnêtement, je cadre très peu au viseur, et j'ai plutôt tendance à shooter comme ça, en fait. Mais à force, voilà il y a quand même des photos qui sont un peu tordues, mais en général, euh, ça se passe. Mais toujours pareil avec la street en fait. À force de pratiquer, surtout connaître euh, votre boîtier, votre optique, euh, c'est une question d aut autant Il faut être à l'aise dans la rue avec les gens, mais il faut aussi être à l'aise avec son matos, parce que euh, il faut surtout pas que le comment dire que le matériel vienne en, en conflit avec euh, avec ce que vous faites. C'était la philosophie des Leica à l'époque. Oui, c'est toujours un peu leur philosophie, c'est-à-dire d'avoir la vitesse, l'ouverture et euh, la sensibilité. Et ce que j'ai aimé avec le Sigma, c'est qu'en fait, j'ai pu paramétrer chaque molette, chaque bouton, et en fait, j'ai tout sous les doigts. Et, euh, et donc, je pas à rentrer dans des menus pour changer des trucs ou autre, parce que ouais. ça me ça, voilà, et ça, et perd donc, du temps. Du, du coup, tu, tu nous as montré un petit peu comment tu, tu visais euh, sans ton œil euh, à, à l'épaule. Euh, et du coup, comment tu l'utilises réellement euh, et, et, et quel programme tu, tu mets en route pour l'utiliser Alors en gros, euh, je shoot en hyperfocal, c'est-à-dire que je, euh, je précède mon focus à une distance à laquelle je vais estimer être, donc 1 m cinquante, 2m en général. Et euh, l'idée c'est de choisir son ouverture en fonction, l'ouverture c'est... Euh, ce qui va gérer votre zone de netteté et définir la quantité de lumière qui va arriver dans votre objectif. Donc on ouvre ou on ferme. Plus on ouvre, plus il y a de lumière qui rentre. Mais plus la zone de netteté est faible et plus on ferme, moins il y a de lumière. Mais plus la zone de netteté est grande. Donc euh, ce qu'on peut gérer avec ça, c'est la sensibilité et l'ouverture et la, la vitesse. Et... Euh, la street, comme moi, je la shoot euh, en dessous de 1, 250e de seconde, euh, on n'arrivera pas à figer le mouvement, en fait, tout... parce que moi j'avance, les gens avancent vers moi, et du coup, euh, voilà, sous euh, oui, comme, au 1 centième, comme ou autre, tout à l'heure char... sur la photo où on voyait euh, Trump, ouais, là, là, il y a le bras qui bouge, là, on là, voit qu'il est flou. Euh, voilà. Voilà. Fin de journée, voilà. donc ouais, là, je devais être au 125e de seconde ou un ouais. truc comme ça. Et euh, donc je shoote juste comme ça en fait avec ma zone de netteté et euh, si par exemple il y a quelque chose qui vient se rapprocher euh, last minute, bah il voilà, faut avoir le réflexe en fait de changer euh, sa zone, d'où le fait de connaître son, son matériel en fait pour que ce soit un réflexe et qu'on n'ait même pas le, à regarder, euh, euh, regarder l'écran de l'appareil ou autre. Donc... Euh, donc voilà, en général, je suis au 250e ou 500e de seconde, à F5, 6 ou F8, et je détermine ma zone en fonction de ça. Donc ce que je peux changer avec ces paramètres-là, euh, vu que là j'ai ma vitesse et mon ouverture, ça va être la sensibilité. Il n'y a que ça qui va jouer, donc après on peut se mettre en iso-auto ou autre ce qu'on veut. Mais euh, voilà, là par exemple, le mono. ça marche. On ne dit rien. <laughs> non. C'est une personne, je pense, qui était handicapée pour le coup, mais super stylée. Et du coup, je l'ai vu arriver comme ça, avec sa démarche sur le côté. J'ai voilà, shooté. Et euh, <coughs> donc, ouais, pour revenir au réglage, il y a ça. Et ce qu'il ne faut pas, en fait, c'est que votre appareil vienne en conflit avec vous. C'est-à-dire, euh, en mode tout auto, c'est l'appareil qui va choisir euh, sur quel sujet il fait la mise au point, euh, s'il veut privilégier les hautes lumières, les basses lumières, ou faire une moyenne de ça. Mais ce n'est pas forcément ce que vous. Vous auriez voulu shooter. Donc, c'est pour ça que j'utilise jamais d'autofocus, jamais de mode auto ou autre, parce qu'au moins, je peux gérer ce que j'ai envie d'avoir au niveau du résultat, quitte à rater, mais au moins, c'est de ma faute et je ne peux pas blâmer le. Et, 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 et du coup, en config, tu es en RAW et tu retouches beaucoup Je suis en RAW et je retouche très, très peu. C'est-à-dire, j'utilise les presets Sigma. Euh, en fait, sur cet appareil, il y a la colo Fauvéon. Ils ont essayé de, de matcher au maximum la colo que j'avais avant sur les autres capteurs. Et du coup, euh, en vrai, euh, je shoot avec déjà le preset, en raw au cas où, parce que récupérer s'il y a un problème les hautes lumières ou les basses lumières. Mais euh, il y a très peu de retouches à part une petite colo euh, rapide des teintes. Mais euh, c'est tout. Voilà. Donc, il y a des choses intéressantes mais là par exemple pour ce qui est de ce genre d'image là je suis passé d'une d'une rue très sombre vraiment il faisait noir donc mes réglages étaient faits pour, pour l'ombre mais elle il y avait le, le faisceau de lumière qui était sur elle donc c'est ça qu'il faut privilégier donc là en une seconde même pas il faut changer totalement ces réglages donc il faut que en fait tout devienne réflexe après Là, par exemple, on peut jouer sur la vitesse ou sur les ISO. Moi, j'ai paramétré la molette où c'est les ISO, et comme ça, je vais beaucoup plus vite pour baisser ou augmenter la sensibilité sans toucher à ma vitesse ou à mon ouverture. Mais euh, en argentique, par exemple, on ne peut pas faire ça. Non. Donc, en argentique, il faut. Euh, j'ai plutôt tendance à ouvrir beaucoup plus pour laisser rentrer plus de lumière et euh, espérer être dans ma zone, mais d'où le fait de connaître vos distances, et ça, il y a. Qu'en étant dans la rue et, euh, et en pratiquant, ou même s'il y a des gens qui font ça chez eux aussi, c'est-à-dire ils posent une, euh, je sais pas ce que vous voulez, une chaise, une bouteille d'eau, un truc, et en fait ils marchent deux trois pas et quand ils se retournent, ils essaient d'avoir leur zone, de savoir à combien ils sont. Et euh, l'intérêt du numérique, du coup, c'est de voir voilà si vous êtes capable en deux trois secondes de changer euh, totalement votre euh, point. Voilà, donc effectivement, bon, on parle boîtier mais après euh, bah, il faut y, y associer une optique et euh, comme on disait tout à l'heure bah, dans la gamme i-Series chez, chez Sigma on a neuf optiques Là, on en a sélectionné quelques-unes celle que Thomas utilise énormément bah, c'est le, le 24mm ouverture 3.5 hein, une, une optique assez compacte et discrète et, et vraiment dédiée à, à, à la photo de rue mais on a aussi bah, des, voilà, des, des produits qui sont un petit peu plus euh, lumineux Suivant le, le, le besoin du, du photographe et de son confort dans l'utilisation, il y a bien sûr un 35 qui ouvre à 2, un 50, ouais, la gamme elle est, elle est vraiment complète. On a du 65 qui ouvre à 2, ça c'est une optique, euh, une focale qui est, qui est vraiment différente. On est les seuls à proposer ce genre de, de focale, mais euh, pour faire du portrait, euh, c'est assez intéressant. Voilà. Et alors, pardon ce que je voulais dire du coup sur les optiques aussi c'est que donc effectivement il n'y a pas de règle, on a vu Sol Leiter qui peut shooter au 90 ou 135. Donc c'est pas parce que enfin euh, moi je shoote de cette manière-là mais euh, je, voilà, il y en a d'autres qui shootent comme moi, mais d'autres aussi qui shootent complètement différemment. Et euh, par exemple, allez quand j'ai vraiment commencé la street euh, avant enfin euh, quand j'ai commencé la photo d'ailleurs parce que j'ai commencé avec ça, je shootais beaucoup au 50. Parce que comme ça, j'étais quand même à une certaine distance des gens, je ne sais pas, à 5, 6 mètres, et j'étais à l'aise avec ça. Mais petit à petit, j'ai pu me rapprocher des gens. Et d'où le j'ai changé d'optique de... et je suis passé au 35, au 28, 24. Et là, j'ai même envie de tester un 21 ou un 17 pour voir ce que ça rend. Mais, euh... Mais voilà, enfin donc du coup, il n'y a pas de... C'est parce que moi, je shoot au 24 et que je vais vraiment proche des gens que c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de règles du tout dans la street. Là, on a une petite question d'un internaute. Euh, oui, on a une question d'un certain Simon. Je ne sais pas si c'est ton pote Simon, mais je ne pense pas. C'est une question assez pertinente. Donc, euh, Ça, il se demande lui, si tu utilises le focus picking euh, quand tu n'utilises pas le, la F et également, est-ce que tu utilisais des, des objectifs anciens manuels avec ton boîtier Sigma Donc tu peux y aller parce que de toute façon, il y, a une, il y a une volonté aussi de, de The Sigma de le rendre le plus polyvalent possible. Et, et c'est pour ça qu'on a rendu les, 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 codes, les codes 3D disponibles sur Internet pour justement faciliter l'accessoirisation le, le, et, et les différentes montures. Donc si tu utilises des objectifs vintage, n'hésite bah, pas à le dire. Et, et si tu utilises le focus picking également. Merci Renaud, merci Simon. Euh, donc, euh, non, je n'utilise pas du tout le focus picking parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Et, euh, et encore une fois, là sur le Sigma, par exemple, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un menu où en fait on peut mettre la distance exacte euh, sous le, euh, sur l'écran. Donc, en gros, parce que là, c'est des bagues. Où il n'y a pas du tout de repères, ce qui n'est pas le cas des optiques vintage justement que j'utilise parfois. J'utilise un, en fait, sur mon, quand je shoote en argentique, euh, ça c'est des montures L. Donc euh, sur mon Leica M, j'ai une optique Zeiss qui, elle, a l'échelle d'hyperfocale justement, qui permet donc on sait directement sur l'objectif si on se met à, je sais pas, 1 mètre 50 ou 2 m il y a deux repères, un de chaque côté, qui va vous dire que suivant l'ouverture, bah vous serez net entre euh, je sais pas un mètre et quelques et 3 mètres euh, si vous êtes à 5 6 si vous êtes à f8 vous serez net entre 1 euh, mètre et 5 mètres donc euh, ce qui n'est pas le cas sur ces optiques là mais par contre c'est compensé par le, le logiciel de l'appareil qui va dire euh, qui va vous donner en tout cas la distance à laquelle vous êtes euh, suivant comment vous bougez le, le la bague de focus et euh, et donc oui, j'adapte euh, parfois mon Zeiss dessus parce qu'il y, euh, y a un petit cran en fait en dessous qui me permet justement de savoir euh, quand j'ai le doigt dessus, euh, je sais que je suis à 1,50 m quand il est au milieu, pile en dessous. Et c'est ce qui me permet de bouger sans vraiment regarder du tout l'objectif. Je vais savoir que je vais revenir à, voilà, à 60 cm, 90 cm, s'il y a vraiment, vraiment quelqu'un qui est près de moi ou d'un coup, je vois quelqu'un qui traverse la rue à 5 mètres, je vais juste bouger mon doigt sans regarder, et du coup, ça va fonctionner très très bien, ce qui est plus difficile avec ce genre d'optique. Donc, c'est pour ça qu'il y a une bague adaptatrice qui permet de monter un peu ce que vous voulez dessus. Si mmh. je ne dis pas de bêtises, si vous avez déjà des optiques vintage, en gros, vous pouvez les mettre dessus juste avec une bague. Et tu, tu dis pas de bêtises, c'est bien. Voilà. Un bon, un bon résumé en tout cas. Euh, tout à l'heure, bah, on a commencé un petit peu à évoquer, puis on, tu m'as dit plus tard, eh ben, nous sommes plus tard. Noir et blanc ou couleur euh, Donc de base, je suis très couleur, ça c'est de l'argentique. Mais euh, ces derniers temps, je reviens un peu au, <coughs> au noir et blanc parce que euh, j'ai fini par être trop focus sur les couleurs que sur ce qui se passait. Donc du coup, le fait d'être revenu en noir et blanc, euh, là, faut vraiment, que, enfin pour moi en tout cas, qu'il y ait une interaction, qui se passe un truc avec la lumière et tout, qui, euh, qui va me permettre justement d'oublier totalement ce qui est couleur et de, et de me focus sur les gens et ce qui se passe, quitte à, quitte à revenir après en couleur. C'est-à-dire, par exemple, là, le FP, quand je suis en street maintenant, il est en full noir et blanc, mais je suis en rouge, donc après je peux repasser en couleur s'il faut, mais je, je shoot en noir et blanc complètement. Ça, c'est pellicule photo ciné 400D. Ça, c'est le sigma. Ouais, toujours opéra, ça. Voilà, donc effectivement, la, la, la street, euh, souvent, voilà ça, ça peut déranger un peu les gens, ça peut. Euh, euh, les bousculer quand on, quand on, quand on s'approche d'eux, quand on les prend en photo. Mais quand on, on regarde l'histoire de la photographie, euh, on, on peut relire une, une histoire, une époque, euh, un, un temps passé. Et, et c'est vrai que ben, c'est important de pouvoir justement euh, être témoin d'une époque. Oui, parce que parfois, j'ai... Euh j'avais tendance, tendance à pas shooter quand je voyais quelqu'un avec un téléphone ou autre. Et, et j'essayais d'éviter ça au maximum. Euh, surtout hein, il y a quelques années, j'essayais d'avoir un côté vraiment vintage sur les photos. Et en fait, après, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je passe à autre chose et que je continue de documenter la vie, enfin, ce que je vois et mon point de vue. Mais euh, avec ce qui se passe maintenant, parce que je me dis que dans 20, 30 ans, machin, on sera quand même content de voir... Euh, ce qui se passait à cette époque-là, les tenues et tout, enfin, ça nous fait tous un truc de voir qu'il y a 20, 30 ans, on n'était pas habillé pareil, les interactions entre les gens et tout. Donc, voilà, hein, être, être témoin de son, son époque. Et puis, comme ça, des fois, on voit que les, les modes reviennent. Oui, effectivement. Donc, euh... ou pas. Non, mais voilà, il y a des photos qui peuvent paraître un peu intemporelles, enfin, au premier abord, et après, bah, déjà, il y a la voiture qui marque un temps. Lui, il a des écouteurs, lui, il a le téléphone et tout, et du coup, c'est intéressant quand même de voir, surtout enfin, de voir comment ça évoluera plus tard, donc euh, dans le temps, et j'espère qu'on reviendra sur, sur ces photos-là, en se disant, ah ouais, c'était marrant, cette époque-là, y il avait, y avait ce truc-là. Et, et, mais c'est un recul qu'on n'a pas encore, donc quelquefois, on dit... Euh, il y, a, il y a plein de gens qui adorent le travail de douaneau ou des grands photographes et tout, et qui disent euh, euh, par contre qu'ils vont moi me poser des questions sur Instagram sur pourquoi tu prends en photo les gens, est-ce que tu leur demandes leur accord avant, etc. Alors qu'ils consomment ça dans les musées, dans les bouquins, mais ils font pas le lien que en fait ça c'est exactement la même chose, c'est pratique. Donc euh, voilà. Et tout à l'heure, on a parlé de, de Paris, de New York, on a parlé un peu de Rome aussi. Euh, et du coup, si tu avais une ville préférée pour shooter, ou, ou une euh, que tu aimerais, euh, aimerais aller shooter Non, bah, j'ai qu'une envie, c'est de retourner euh, à New York, justement. Mais c'est peut-être aussi parce que je vis à Paris, qu'il y a ce côté quotidien, et, euh, et euh, j'aime énormément Paris, mais c'est vrai que New York, c'est... Euh, c'est différent, et puis il y a plus de monde, plus de mixité, plus, de, voilà, plus d une énergie aussi qui est totalement différente de Paris. Donc, euh, et pour le coup, il y a du monde H24 dans New York, ce qui n'est pas le cas à Paris, où Paris, voilà, moi je trouve que le matin, c'est un peu calme. Donc, euh, donc je ne sors pas faire de photos le matin, alors qu'à New York, on peut faire du matin au soir. Et, et une ville asiatique au Japon, non bah, si, j'aimerais bien Tokyo. Ça, j'attends que si ouais, euh... euh, Voilà, il y, a, il y a Tony qui, qui de, demain euh, terminera le, le salon de la photo avec nous. Là, il se cache là-bas. Là. Mais euh, il parle, lui, il a été à Tokyo et il fera une petite conférence avec nous pour en parler. Ouais, mais il veut retourner avec moi, il m'a dit. Ah, bah voilà, brachi, Bratsu, vous serez mignon. Oui, et après, donc euh, voilà, moi, c'est New York, euh, vraiment, j'adore et tout, mais autant j'ai adoré Rome, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de tester Naples, enfin voilà, je pense qu'il y a plein de villes, pas de règles. Euh, j'ai un ami qui fait de la street photo à Nantes et c'est très bien, il habite là-bas, euh, donc en fait, je pense qu'on peut faire de la street un peu partout. Voilà, donc, eh ben voilà, un appareil photo, une optique et, et des heures à, à se balader et à, et à observer. Ça. Ouais. Alors, Et du coup, sais... est-ce que tu as des, des petits projets à venir à, à révéler, euh, de terminer Non, c'est bien de passer vite aux questions. Euh, non, non, bah, je bosse sur un projet de livre sur les États-Unis principalement, mais vu que c'est un projet qui continue, euh, donc j'ai commencé il y a longtemps, mais qui ne fait que continuer. Euh, du coup, la question, c'est de savoir à quel moment on s'arrête. On estime qu'il y a suffisamment de choses à raconter et à montrer. Et j'en suis pas encore là, mais voilà, le gros projet ce serait ça. Ouais, tu as une petite pression parce que euh, suite à, à Arles, au, au festival d'Arles et à ta, ta très belle expo, euh, j'ai déjà retrouvé des, des, des gens qui sont venus regarder et voir un petit peu et discuter avec toi et qui m'ont dit au fait, il en est où dans son projet de livre Donc euh, voilà. Un peu de temps encore. Est-ce que dans le public, vous avez quelques questions Je vous laisse le, le micro à ce moment-là. Oui, vous avez dit que vous utilisiez le, le SD en studio, donc je voulais savoir comment vous faites pour passer du véon au capteur plein format. Est-ce que le rendu vous dérange ou pas les différences euh, non, parce que enfin, ça me dérange pas dans le sens où euh, en fait le FPL, pour le coup, je l'utilise aussi en studio quand j'ai besoin de faire beaucoup plus d'images, beaucoup plus rapidement. En gros, j'utilise vraiment les deux. Le, maintenant, le SD Quattro, ça va être pour des projets où euh, je peux prendre mon temps parce que du coup, j'ai repris l'habitude d'aller plus vite avec le FP. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre du temps que j'ai, de la lumière que je vais pouvoir. Euh, intégrer dessus mais euh, vu que je retrouve les menus la colo et je peux paramétrer de la même manière en fait mes touches j'ai l'impression d'avoir pas le même boîtier entre les mains mais quasiment alors c'est bien parce que elle a un peu, ma question est partie un peu directement mais euh, quand quand vous voyez euh, des, une scène quelle est l'intention derrière C'est vraiment d'avoir quelque chose d'esthétique ou euh, de, de capturer le moment C'est-à-dire, euh, si le moment est beau mais que ça peut ne pas rendre bien en photo, est-ce que vous le prenez dans tous les cas Ou s'il faut vraiment que ce soit rempli, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour que ce soit potentiellement une belle photo euh, Non, en gros, je me focalise vraiment sur ce qui se passe devant moi et le coup de la belle photo, je le vois presque après parce que j'ai mon cadre dans la que j'ai en tête quand je vois le truc mais ça prend une demi seconde donc souvent je découvre des trucs après au développement ou euh... ou sur l'ordi en... en me disant bah j'avais pas vu qu'il y avait ces personnes là derrière etc parce qu'on peut pas tout capter donc je me focalise vraiment sur la première chose qui arrive devant moi et après je découvre mais c'est ça l'important ah Oh, juste à temps. Hein euh, moi, je me demandais seulement si les, faut les gens que vous prenez en photo dans la rue vous demandent les photos après les avoir prises. Alors, non, pas du tout. En fait, euh, c'est très rare que les gens me demandent les photos. Ils aiment bien les voir quand ça arrive. Mais euh, non, jamais. Je crois que sur euh, toutes ces années, je crois que j'ai envoyé deux, trois fois les photos, cette fois, des gens qui m'ont demandé. mais euh... Non, ça n'arrive vraiment pas. Ils sont contents de les voir quand ils peuvent, certains. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont même pas compte. que j'ai beau être à côté d'eux, ne pas me cacher, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas capté que je les ai pris en photo, en fait. Donc, euh, ils sont voilà, dans leur monde un peu, mais on peut arriver vraiment devant, snapper, et les gens ne feront pas gaffe, souvent. Moi, j'avais peut-être une petite question. C'est quand, quand, quand on prend comme ça des photos dans la rue. Euh, Est-ce que tu as le droit, du coup, d'utiliser ces photos des gens pris en photo et de faire un bouquin et d'exploiter un peu ces images euh, Donc, dans la pratique, oui, euh, tant que ce n'est pas avec des... Euh, comment ça s'appelle euh, Une utilisation commerciale avec une marque. Par exemple, si je revends les photos à une marque ou autre, il va forcément falloir l'autorisation. Mais euh, on, a, on est retourné voir sur le site du gouvernement avant cette conférence. Être sûr de nous. Et euh, en gros, si la personne n'est pas forcément <coughs> isolée ou euh, trop reconnaissable, mais que ça fait partie d'une scène, c'est à l'appréciation de l'auteur et c'est lui qui va détenir les droits. Si je vais faire un portrait de vous au tel objectif, par contre, et qu'après euh, euh, je le revends à une marque ou autre, bah, Là, je n'ai pas le droit. Et de toute façon, la marque, normalement, ne pourra pas parce que je n'ai pas votre autorisation écrite. Donc, par défaut, le fait de ne pas avoir d'autorisation protège les gens de, 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 de l'utilisation. Et, euh, et surtout, il y a aussi un truc, c'est que les gens, il faut essayer de ne pas les mettre dans une situation dégradante et euh, potentiellement euh, porter préjudice à leur image aussi. Voilà. Mais si c'est dans une scène avec juste quelqu'un qui marche, il n'y a pas de problème. En fait, la mention exacte, c'est toutefois le droit à l'image est limité par le droit de le droit à l'information, le droit à la liberté d'expression et la liberté artistique et culturelle. Ainsi, votre accord n'est pas nécessaire pour diffuser certaines images à condition que votre dignité soit respectée et votre image ne soit pas utilisée dans un but commercial. C'est l'article officiel. ça par exemple rentrer, vous la ça. Ouais, il y, y a la zone de flou. En fait, il y a cette zone de flou qui fait que, euh, a priori, tout le monde fait ça et du coup, il y a un accord là-dessus. Et c'est à l'appréciation de euh, d'un peu tout le monde. Est-ce que cette photo, vous la trouvez dégradante pour la personne, la personne qui fait comme ça et qui a ses lunettes de soleil qu'on reconnaît pas ouais. Non, non, mais c'est une question. Euh Ah non, ça se passe pas comme ça. Déjà, il y aura un jugement. Déjà, il y a plein de choses avant cette étape, et il euh, faudra euh, prouver que la personne c'est elle, déjà. Parce que qui vous dit que n'importe quelle blonde avec une paire de lunettes de soleil c'est cette personne Donc il y a ça aussi. C'est pas simple à prouver forcément. Donc euh, voilà, en gros. T évoquais tout à l'heure que ça te prenait beaucoup de temps et que tu remettais parfois en question tes week-ends mais qu'à la fois tu avais besoin de shooter tous les jours et que tu avais toujours ton appareil avec toi du coup c'est plutôt une addiction ou une thérapie alors j'avoue que c'est un peu des deux euh, c'est un peu des deux euh, je pense que c'est aussi une thérapie euh, c'est une façon de me sentir euh, euh, comment dire c'est le moment en fait où je bloque tout, c'est-à-dire je pense juste à la photo et pas à autre chose, d'où le fait d'essayer d'éviter au maximum les, dé les distractions, les textos, le téléphone, etc. Pour une session street. parce que là on, on perd tout le truc. Mais effectivement, il y a un côté euh... ouais. évasion et, et, euh, et voilà. Mais c'est une addiction aussi euh, clairement, clairement une addiction. Voilà. Eh bien, sur ces belles paroles. Euh, merci Thomas, euh, merci, merci à vous. Merci, à beaucoup. merci beaucoup. Voilà, N'hésitez pas à, à aller vous abonner, liker euh, et à vous abonner à ma chaîne. Pouce bleu. Merci, merci. merci beaucoup. Merci.